Good morning, allez, Eden, les tutos aujourd'hui, les nishmat, Abraham, Yonah, Ben, Chana, Begivet, Esther, Zarabat, Mazal, Tov, Shipertish, Simon, Batleoni, Michael, Novikov, Elir, Fouat, Avraham, Norbert, Ben, Fortuné, Mazal, Betor, Shal, Chol, Israël, si vous souhaitez aussi étudier nos prochaines études de nos Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Sanhedrin, Perek, Yud, Aleph, Mishnah, Dalet, El, Memitin, אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין שביבנה אלא מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים ומשמרין אותו עד הרגל וממיתין אותו ברגל שנאמר וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד דיבר רבי עקיבא רבי יהודה אומר אין מענין את דינו של זה אלא ממיתין אותו מיד וכותבין ושולחין שלוחים בכל המקומות איש פלוני בן פלוני נתחייב מיתה בבית דין ובסתרסת לנו את משנה à la date d'exécution et le lieu d'exécution du Zaken Mamré, du vieux Talmid Chacham, du juge qui a osé contester la décision finale, le dernier mot du Sanhedrin Gdola de la Lishkat Hagazit, il a osé contester et partir seul contre tous, alors que le Sanhedrin Gdola de la Lishkat Hagazit a tranché qu'il fallait permettre ou interdire, et lui, il a continuer à penser le contraire et à transmettre au peuple, ordonner au peuple de faire le contraire. D'accord, à enseigner au peuple. Et dans ce cas-là, il y a une halakha de le tuer, le Zaken Mamré, ce qu'on est en train de parler. C'est notre dernière Mishnah qui parle de ce sujet, donc. Et la Mishnah nous enseigne d'abord, avant de lire la Mishnah, on va d'abord préciser une halakha. Pour rappel, on est parti au Beit Din à Yerushalayim. On a là-bas reçu une instruction claire qu'il fallait permettre ou interdire. Et on est revenu en ville. À la ville, à Tel Aviv par exemple, et là-bas le Zaken Mamré a continué à donner un cours de halakha en disant aux gens que l'on pouvait, à l'encontre de la décision du Sanhedrin, continuer à manger cette chose-là ou à ne plus manger cette chose-là. Et alors là, dès qu'il y aura deux témoins, on le prendra et on le jugera. Où on le jugera d'abord? On le jugera dans sa propre ville. Dans sa propre ville, là-bas, d'accord ? Il comparaîtra devant les juges de sa ville, on fera monter là-bas 23 juges, et on le condamnera à mort. Où l'exécuter et quand l'exécuter, c'est là le sujet de notre Mishnah. Il y a, je rapporte tout de suite, comme ça ira plus vite ensuite, à la fin de la paracha du Zaken Mamré dans paracha de Shoftim, là-bas il y a marqué « Vechol ha'am ishmeu ve'ira'u ve'lo yezidun od » et tout le peuple entendra et prendra peur et ils n'oseront plus jamais contester la suprématie de la force du Sanhedrin. Soit, pour bien diriger le peuple, il faut bien comprendre, c'est le... Bon, c'est pas tellement le sujet, mais en tout cas, la Torah a proposé le parfait équilibre pour à la fois avoir les avantages de la démocratie et sans les désavantages, avoir plutôt au contraire, même dans la dictature, quelque part, il y a certains avantages dans la mesure où personne, le pays a une ligne bien nette que personne ne... D'accord, une direction, et personne n'ose faire ce qu'il veut. Ouais, il y a des fois des grands dangers, si on donne la voix au peuple constamment, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que la Torah l'a proposé? Le Sanhedrin, les 71 juges, c'est eux qui vont, quelque part, diriger le pays. Eux, tous ces juges-là, ils seront toujours les plus tzadikim, les plus justes, les plus grands talmidei chachamim du peuple, qui seront là-bas. Mais malgré tout, eux, une fois qu'ils donnent les décisions, alors tout le monde est contraint et astreint à ce qu'ils décident. Ils ne sont pas là pour leurs intérêts personnels, ils sont là uniquement pour le bien du peuple face à Hachem. Et de ce fait, eux proposent leurs décisions, on n'a pas le droit de les contester. C'est en cela d'ailleurs la gravité de la gravité du Zaken Mamré. Ce n'est pas pour le simple fait qu'il a osé contester le Beit Din, mais il y a plutôt ce qu'il représente. Le fait qu'il a maintenant ouvert des nouvelles portes, que les gens ont commencé à ébranler la suprématie. La suprématie du Beit Din, d'accord, du Sanhedrin de Yerushalayim. De ce fait, la Torah, elle nous dit à la fin une phrase, tout le peuple entendra et sera effrayé et n'osera même plus s'approcher et remettre en doute la parole du Sanhedrin. De ce fait, Rabbi Akiva déduit de là que El Memitinoto, lo bebet din shebeiro, on ne l'exécutera pas dans le Beit Din de sa ville. Et non plus au Beit Din de Yavne, on expliquera après c'est quoi le Beit Din de Yavne, à la fin de la Mishnah, on reviendra dessus, d'accord? Mais, et la Ma'alin entend le Beit Din Agadol Shib Yerushalayim, il faudra le faire monter au grand Beit Din qui siège à Yerushalayim, au Meshamrin entend Adar Regel, et on le gardera
en cellule, donc en prison, jusqu'à ce que vienne la prochaine fête, là-bas où il y aura tout Israël, soit à Pessah, soit à Sukkot, où là-bas il y aura un Chol HaMoed, où Mémétine dans ton barigel, on le tuera à Chol HaMoed, quand tout Israël sera là-bas. Shenemar, comme le Pasuk, Vechol HaAm, et tout le peuple. Comment on fait pour avoir tout le peuple? Ishmeu veiraou, ils écouteront et ils prendront peur. Velo yezidun od, et personne n'osera ensuite contester. Dira avec Eva Tel Aviv de Rabbi Akiva. Pour avoir tout le peuple, on est obligé d'attendre d'arriver au Regel, au Regalim, aux trois fêtes, aux deux fêtes, chaque fois. Oui ou non, il n'y a pas trop la moyenne, mais en tout cas, ça peut se faire aussi pour après, pendant les Yemei Milouim, je ne sais pas. En tout cas, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de faire souffrir en le faisant traîner. En faisant traîner son exécution, un sujet qu'on a déjà évoqué quelques fois déjà, qu'on n'a pas le droit de faire traîner l'exécution. Une fois qu'on a tranché qu'il était condamné à mort, n'importe qui, on se dépêche de le tuer. Il y a un issour de faire le ignouyadin, de faire traîner l'exécution, où là il est en train de se morfondre et de se... D'accord ? On a tranché qu'il faut le tuer, on le tue vite fait. Et là, même est-il dans ton miyad ? On le condamnera tout de suite. Mais kotvin, et on écrira ensuite des lettres. Et on enverra ensuite ces lettres dans tout le pays. Ishploni, et on diffusera là-bas. Ishploni ben Ishploni. Tel fils d'un tel, Nitrayev Mita Bebeddin, il a été condamné à mort pour cette grave faute d'avoir contesté le Beddin. La Gemara explique la vie de Rabbi Yehuda qu'il y a pareil écrit dans le verset, et tout le peuple entendra et prendra peur. On n'a pas dit irou qui feront voir. Quand il est marqué dans la tefila aussi, irou veiraou, il faut faire attention à ça. Des fois, le mot lira, ça va peur, et lirot, ça veut dire voir. Alors là, il n'y a pas marqué dans le pasuk v'cholam ishmeu veiraou, qui devront voir, ils devront juste entendre. Donc on peut leur écrire des lettres uniquement. Telle est l'avis de Rabbi Yehuda. Une petite précision sur le Beddin Shebeyavne, c'est d'ailleurs là tout le sujet du Bartenora qui va nous le faire. On n'a qu'à le faire directement dans le Bartenora. Non, petite introduction d'abord. Il y a eu, dans les 40 années avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, le Beth Din, le Sanhedrin Gdola, n'était plus installé dans la Lishkat Hagazit. Il est parti en Galout. Il a commencé à s'exiler. 10 exils à l'intérieur d'Israël. Il y a eu une fois, ils étaient à Oucha, une fois, ils se sont retrouvés à Yavne. Et là-bas, il y a une kina dans les kinotes de Tisha B'Av, spécialement sur les 10 Galouyot de la Shrina, et du Sanhedrin Gdola, je pense que ça va de soi. Qui n'était plus dans la Lishkat Hagazit, d'accord ? Il y a eu un moment où ils se sont retrouvés à Yavne. Alors, supposons maintenant que ce Zaken Mamré, il a osé contester les juges qui étaient à la Lishkat Hagazit. Mais ensuite, le Sanhedrin Gdola, il a quitté son lieu, il se retrouve maintenant à Yavne. Est-ce qu'on ira le tuer à Yavne ? Selon Rabbi Akiva, non, il faut spécifiquement repartir à Yerushalayim. Et s'il n'y a plus de Sanhedrin à Yerushalayim, apparemment, on l'exécutera pas. C'est ce que le Bartora nous enseigne tout de suite. Velo bebet din chez Yavne, non plus au grand Sanhedrin qui siège à Yavne, chez Elou, Sha'alou le bet din chez Lishkat Hagazit. Si ils ont interrogé le bet din qui était à la Lishkat Hagazit, au Beth Amikdash, Ve'amrolo, ils l'ont donné l'instruction. Ve'chazar le Hiro, et il est reparti à sa ville. Ve'sha'asham yamim rabim, et il est resté là-bas plusieurs jours. Jusqu'à que le grand Sanhedrin de la Lishkat Hagazit est parti à Yavne. Et après, ce Zaken Mamre, ce sage, a osé enseigner selon ce qu'il prétendait initialement. On ne l'exécutera pas à Yavne. Bien que la grande Lishkat Hagazit, le grand Sanhedrin siège en ce moment là-bas, malgré tout, on ne l'exécutera pas là-bas. Et bien que le Beth Amikdash, il est encore présent. Ouais, le Sanhedrin Gdola, il est parti, il a quitté la Lishkat Hagazit. Mais malgré tout, le Beth Amikdash, il fonctionne encore, malgré tout. Étant donné que le Sanhedrin Gdola, le grand Sanhedrin, ne siège pas en ce moment dans sa Lishkat Hagazit, il ne pourra plus être exécuté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.